Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto nail art sur la chaîne de Rose Carpet. Et aujourd'hui, je suis en compagnie d'Emma. Et on va vous faire un petit tuto nail art sur le thème des super-héros. Alors, est-ce que tu as un super-héros préféré? Je pense que ça peut se voir à mon t-shirt. Voilà. Ouais, j'adore Superman. Donc, Ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire. Ah bah, c'est parfait. Génial. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que tu vas me faire. Ouais. Donc, alors, dis-moi. Du coup, moi, je vais te faire le petit logo Superman sur l'annulaire, donc ce qu'on appelle l'accent nail. Je vais vraiment lui faire que sur l'annulaire. Et sur les autres, je vais te faire une petite French rouge. D'accord. Donc, ouais, non, ça va être sympa. J'ai hâte de voir ça. Parti. Donc, okay. Comme d'habitude, je commence par t'appliquer de la base. D'accord. Sur tous les ongles, qui va te protéger les ongles, hein, comme d'habitude. OK. Et donc, après, on va appliquer le vernis de base, donc, qui est un bleu. OK. Comme ça, donc, il ressemble un petit peu. Ouais, c'est vrai, ouais. Et donc là, je vais l'appliquer en deux couches. Donc, comme d'habitude, la première couche en couche fine. D'accord. Donc, faut pas s'inquiéter si jamais vous n'avez pas la couvrance optimale. Hein. La première couche, elle n'est pas jolie. C'est vraiment comme ça. Faut pas s'inquiéter. Puis la deuxième couche, on y va plus en épaisseur. Et c'est comme ça que vous allez avoir un temps de séchage qui sera pas trop long et une jolie pose de vernis. Le vernis est appliqué. Là, je vais nettoyer les contours, comme je te disais. Donc, je vais prendre un petit peu de dissolvant. OK. Un flacon pompe. Et vous pouvez prendre un flacon classique, car ça marche pareil. Et un pinceau plat, du coup. Et je vais venir vraiment nettoyer les contours. La couleur est vraiment magnifique, je trouve, ouais, de vernis. C'est vraiment un bleu nuit profond, super chouette. Et voilà, donc là, vous avez juste à attendre 5-10 minutes environ que le vernis sèche et on va pouvoir passer au nail art. Ok, génial. Je vais faire le petit contour du losange. En fait, on le voit peut-être pas, mais il y a vraiment le, ouais, le contour. De diamant un peu même. Hein, ouais, 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 totalement. Donc, je vais le faire en jaune. Ok. Donc, c'est vraiment chouette. Donc ça, c'est la teinte Be a Honey de chez Rimmel encore. Donc là, je vais poser une petite goutte sur une palette. Ok. Donc la palette, en fait, si vous voulez, la petite astuce, c'est juste la page de garde des reliures. Je sais pas si vous voyez, avec tous les petits trous. Ouais. Et en fait, ouais, du coup, c'est une des pages que j'ai découpées. C'est une page A4 à la base et je la découpe en plein de petits morceaux. Vous pouvez trouver ça en librairie et je trouve que c'est assez pratique. Et je vais prendre un pinceau fin, du coup, pour faire le contour. Ok. Et je vais commencer par faire une ligne horizontale. Ok. Comme ça. Après, je vais faire les petits points qui commence à descendre un petit peu. Ouais, je vois, ouais. Donc là, ce qui est pratique, après, je vais remplir. Et si jamais vous avez besoin de remodifier un petit peu le contour, vous pouvez toujours le faire. Là, faut pas hésiter à y aller bien en matière. Que ça couvre le vernis de base. Donc là, c'est pas très très grave si jamais le losange n'est pas parfait, parce qu'après on va faire le contour en rouge. Donc là, on va le laisser sécher. Donc là, on va passer à la French rouge. Okay. Donc du coup, je vais d'abord mettre du blanc pour que le rouge ressorte bien. Je vais peut-être te montrer deux astuces pour faire une French. Ouais, il y en a une que je vais vous montrer qui sera directement avec le pinceau du flacon. Donc là, je garde un peu de vernis. Et je viens faire vraiment, tu vois, une French comme ça d'un côté puis de l'autre. Après, je raboute un petit peu les deux bouts. Hop. Ah ouais, non, il faut être super précis, hein. Faut avoir le coup de main et tout parce que. Après, c'est l'habitude, ouais. C'est vrai que moi, j'en fais plus longtemps. Mais après, c'est vrai, quand on n'a pas l'habitude, du coup, je vais te montrer la deuxième méthode. Ok. Hop. Du coup, je mets une goutte de vernis blanc sur la palette. Je prends un pinceau fin. Et donc là, tu vois, je vais venir la dessiner vraiment avec le pinceau. Je peux faire ça avec un liner aussi. Je sais pas si tu vois de commencer un liner. Oui. C'est juste, ça a les poils plus longs, j'imagine. C'est pareil. Oui, oui, oui. C'est pareil. En maquillage. Voilà, c'est plus précis, on est sûr un peu de moins se louper quoi. Je pense que c'est peut-être plus simple. Et après, la dernière méthode que vous pouvez utiliser aussi si votre vernis est bien sec, c'est des pochoirs tout simplement, enfin les formes de French tu colles, vous appliquez le vernis puis vous décollez. C'est peut-être même le plus simple si jamais vous débutez complètement. Comme ça, vous avez trois façons de faire une French. Enfin, du coup, je vais la recouvrir du rouge cette French. Là, déjà, ça rend bien, ça fait un peu marinière. Oui, c'est vrai. On est dans une autre. Ouais, ouais, dans un autre thème. Art, Donc, après, là, la French blanche, si elle n'est pas complètement opaque, c'est pas très grave. Hein. C'est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, une sorte de base. Donc, il n'y a pas besoin qu'elle soit ultra, ultra précise. D'accord. Quand vous faites des nail art, je vous conseille d'y aller comme ça par étapes pour éviter d'avoir du temps de séchage et d'attendre comme ça en regardant les mouches voler. Du coup, c'est de faire par exemple la base pour le logo et puis ensuite faire les French et pendant qu'elles sèchent, vu que si on met le vernis rouge tout de suite, ça va vraiment baver, etc. Ouais, parce que c'est pas sec. C'est vraiment de reprendre votre motif et puis après de continuer. C'est vraiment comme ça qu'on gagne du temps en fait. C'est en étant un petit peu organisé. Donc du coup, là, on va reprendre le logo. Donc là, je vais poser un vernis rouge sur la palette. Donc là, je vais travailler bien avec la pointe de mon pinceau parce que je veux un trait plutôt fin. Donc tu vois, je travaille bien dans la matière comme ça. Puis après, je le réaffine un peu pour avoir un pinceau assez fin. Et après, tout de suite après, je vais venir donc reprendre mon tracé de tout à l'heure, mais juste en contour, c'est-à-dire la bande du haut toute droite, vraiment bien à l'horizontale.
quand même très précis, hein. J'arrête pas de le dire, mais enfin, je me dis c'est... Après, en fait, on peut le faire un peu plus épais, là, c'est pas gênant, tu vois, je pense sur ton logo, je me demande même si c'est pas un peu plus épais. Et après, du coup, on va aller faire le S. Donc là, je vais imiter un petit peu ton... Vas-y. Donc il y a le petit trait, puis après, vraiment un beau S qui va jusqu'au bout. Donc là, je pars d'ici, je fais le petit trait du haut du S. Après, je vais vraiment, il touche les contours. Là, faut pas y aller, hésiter à y aller bien en épaisseur, hein, parce qu'il est assez épais, le trait. Je suis très concentrée, là. Je suis avec toi, genre... 5000%. Non, mais incroyable. Voilà. Oh, trop bien. Petit logo. Ah, donc, non, toujours, je mets mon pinceau avec du dissolvant. En fait, c'est simple. Dès que vous utilisez du vernis sur un pinceau, on va le nettoyer avec du dissolvant. Et si jamais vous utilisez de la peinture acrylique, là, c'est pas le cas ici, mais je vous montrerai des tutos avec de la peinture acrylique. Du coup, c'est à l'eau, tout simplement. Ok. Et donc là, on n'a plus qu'à pour finir ce nail art, il n'y a plus qu'à mettre le rouge sur la fringue, puisque là, ça fait un peu bizarre. Ouais. ça fait thème différent. Ouais. C'est étrange. On comprend pas trop. Ouais. Si j'avais pas mis cette base blanche, on aurait obtenu une sorte de rouge, mais vraiment très très foncé, presque du violet en fait. Mmh. Le rouge plus du bleu, ça fait du violet. Ouais. Et donc, ça aurait pas été très joli, tandis que là, il est vraiment vraiment bien rouge. Rouge comme sur la bouteille en fait. Sinon je nettoie avec toujours le pinceau plat. Et tu vois, le fait d'avoir fait la French comme ça, enfin sur tous les autres ongles, ça met vraiment en valeur, tu vois, vraiment ce qu'on appelle l'accent nail, c'est-à-dire on porte l'accent sur un seul ongle. Bon là t'as les ongles tout rouges, faut que je nettoie ça. J'aime bien, tu vois, vraiment le rouge ça donne ce petit côté. Super héros. Et sinon, j'avais vu sur le blog de Rose Carpet, vous avez fait une sélection, je crois, de super héros. C'est ça qui m'a un peu donné l'idée de ce nail art. Exactement, nos super héros préférés. Donc, je vous invite d'ailleurs à aller sur le blog de Rose Carpet qui sera en barre d'infos. Voilà, on a fait vraiment une petite sélection super sympa de nos super héros préférés. Et voilà. J'espère qu'il en fait partie du coup. Ah bah, obligé. Donc là, on y va pour le top coat. Vas-y. Donc là, je vais vraiment l'appliquer sans trop le faire filer. Là, je tapote le pinceau. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir et qui doit faire bizarre d'ailleurs. C'est vraiment un vernis, on a l'habitude que c'est vraiment quelque chose d'un mouvement lisse. Mais en fait, n'hésitez vraiment pas à y aller comme ça en tapotant sur la surface de l'ongle. Vous allez voir que c'est zéro bavure assurée. Je trouve ça trop drôle, quoi. C'est trop bien fait. Ça te change les ongles. Ouais, exactement, ouais. Et voilà les filles, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il t'a plu à toi aussi. Ouais, non, génial. Voilà, c'est en match avec mon t-shirt. Ouais, j'adore. C'est bien raccord. Ouais. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, si jamais vous reproduisez un nail art qu'on vous a montré, à le partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag Rose Carpet. Ça me ferait super plaisir d'aller les voir et d'aller liker vos photos. Et comme d'habitude, je vous invite à aller voir le petit tuto bonus qu'on vous a fait sur Instagram, donc en accent nail. Je vous dis pas ce que c'est, je vous laisse la surprise. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto sur Rose Carpet, donc la semaine prochaine. Et sinon, en attendant, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube si vous voulez voir d'autres tutos, tous les liens seront en barre d'infos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.